je prends tout. T'as tout match. Je dois aller à la salle de bain commune pour laver ma beauty blender parce que je la lave tous les matins. Absolument pas de rouge à lèvres, il fait tellement trop froid, les lèvres sont trop gercées, du coup je ne mets que du labello. Non mais il faut prendre le petit déj, c'est jamais arrivé. C'est à cause de vous que je suis à la bourre. Je voulais filmer et ça prend toujours plus de temps que la normale. Hey, petit insert, juste parce que je voulais vous montrer mes trousses de toilette. Parce que je trouve que je me suis vachement améliorée pour éviter les excès de les excédents de bagages. La trousse de maquillage, je pense qu'on va pas en parler parce que ça, pour le coup, je suis sûre que vous faites beaucoup mieux que moi. Moi, je prends toujours trop de make-up et je pense que c'est ça qui pèse le plus lourd dans ma valise à chaque fois. Par contre, pour tout ce qui est soins et produits de douche, etc., je pense que j'ai trouvé une petite technique assez sympa. Alors, pour commencer, vous avez ces petites bouteilles qui sont tellement trop pratiques. Vous trouvez ça chez... moi, je les ai trouvées chez Primark. Ils sont pas chers, évidemment. Vous avez plusieurs types, plusieurs formes différentes. Je trouve ça hyper pratique. Le paquet est comme ça. Vous avez même des petites étiquettes ici si vous voulez les mettre sur vos produits pour savoir ce que c'est. Dans ce paquet là vous avez 5 bouteilles, là vous les voyez différentes, un petit pot pour mettre vos crèmes et le deuxième donc qui est celui-ci, à l'intérieur vous avez 7 bouteilles et le petit pot et c'est trop pratique. Ça je les ai remplis entièrement, j'ai mon shampoing, mon après-shampoing et mon gel douche. C'est les gel douche que j'ai consommé le plus. Mais vous voyez que ça suffit largement. Et là, je suis restée 2 semaines. J'ai utilisé que ça pendant 2 semaines. Et je me douchais tous les jours. Je ne l'ai pas fait avec, là, avec le pot de crème, mais j'aurais pu. Ensuite, cette trousse-là, ça va être pour les soins. Donc, c'est les produits que j'utilise dans cette vidéo. Premièrement, j'ai dit vidéo comme les Belges. Donc j'ai pris avec moi la crème Argaderm qui est un soin hydratant qu'on nous avait filé quand on était à Marrakech. C'est des producteurs de produits à base d'huile d'argan et tous leurs produits sont absolument dinguissimes. Superbement hydratante pour les conditions dans lesquelles j'étais. Ensuite j'ai pris mon eau de lavande de la marque Dermacol. J'ai oublié de prendre des cotons avec moi pour comme tonique pour le visage. Mais bon, je le vaporisais quand même pour m'hydrater la peau et me rafraîchir la peau. J'ai pris avec moi le contour des yeux de la marque Filorga que j'ai acheté juste avant de partir et je trouve vraiment génial. J'aime beaucoup, il hydrate super bien le contour des yeux.
J'ai pris avec moi l'huile Farsali en cas de besoin d'hydratation en plus. Les premiers jours, je l'utilisais même sous le maquillage parce que j'avais la peau tellement trop sèche et tellement trop tirée. Voilà, pour les lèvres aussi, j'en mettais des fois. J'ai pris ensuite ma petite crème au thermal Aven Triacnéal. C'est une crème que j'utilise pour à mettre sur les boutons de façon localisée. Bien sûr, j'ai pris avec moi la Coco Dream Hello Body comme soin de nuit. J'ai pris bien sûr une brosse à dents pour garder une haleine fraîche et des dents propres surtout. On avait ça en plus dans le petit paquet, voilà. Ça dans lequel j'ai mis mon produit pour le visage. Et entre temps, je suis allée chez Sephora et on m'a filé comme petit bonus de bienvenue, je crois, parce que j'ai pris une carte de fidélité, ce produit visage qui est le Drunk Elephant Best Number 9 gelée nettoyante fondante. Et enfin, ma petite brosse Foreo. Je dis petite parce que c'est la Luna Mini que je prends avec moi en voyage, contrairement à la Luna tout court que je viens d'utiliser. Il y a des bouts, il y a des cheveux dessus. Elle est plus légère et elle est plus petite, donc je la trouve un peu plus pratique à transporter. Regardez la différence entre les deux. Dans celle-là, vous n'avez pas le côté massant que j'aime beaucoup de la Luna normale. Moi, j'ai un truc qui me prend moins de place dans ma trousse de toilette. Vous avez le côté qui est pour les peaux plus sensibles, disons, et le côté plus épais pour les peaux comme les miennes qui sont grasses à mix. Tous les jours pour aller sous la douche, comme vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, c'était ça. Je prends ça. Et par contre, j'avais oublié quelque chose et je vous l'avais dit en story, c'était un masque. Ça m'a tellement manqué, je n'ai pas pris de masque, aucun masque, ni hydratant, ni nettoyant. Et ça, par contre, je le regrette. Chérie? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Bien que tu le demandes. En fait, notre prof d'anglais nous a demandé tous les jours de regarder 5 actualités sur les informations américaines et on est obligé de le faire pour en parler en cours ensuite. Et voilà, c'est le sujet de discussion. C'est top! C'est génial! Tu n'as pas cours? Si, ben après. Merci, bye! Moi j'ai cours 18. C'est la première fois que je suis en retard et je vous jure que c'est vrai. Depuis le début de l'aventure, je suis à l'heure tous les jours, même à l'avance tous les jours. Mais là, parce que j'ai filmé, ça m'a retardé. Je suis tout le temps perdue, c'est une horreur. Je sais pas où je suis. C'est un labyrinthe cette école en fait, parce qu'on peut accéder partout de l'intérieur. Ah, il y a un prof qui est là, donc c'est trop cool. Hey! They're moving! Hey! Look at you! You're like, I'm going to take pictures of everybody and make you happy. Will you have your camera with you? You look so vlogger today. Because I'm vlogging. Like a typical day in EF. Okay, well good luck with that. How are you doing, sweetie? Great, sad to leave. I pulled my makeup today. Yeah, me. Yeah. I went to makeup. Yeah. No, I don't have to. This should be good. Hey. Je suis arrivée plus pas à l'heure en fait, ils sont en train de changer de classe. Mama, you can keep walking if you want to. Je ne montre pas le français, il est très rigolo, très très sympa. C'est tous mes... Elle se fout de ma gueule encore. C'est tous mes copains.
C'est tellement chouette, j'ai une classe trop cool. En fait, c'est des personnes qui ont un peu le même âge que moi. Donc j'ai eu grave la chance par rapport à Senda. Elle, bah, malheureusement, c'est un peu, enfin, ils sont un peu jeunes, quoi, par rapport. Ils ont moins d'intérêt, disons, que nous à suivre les cours. Oui, bien le cours était extrêmement intéressant. On a fait du marketing aujourd'hui au niveau professionnel. C'est notre dernier cours, du coup c'est notre dernier jour. Le prochain truc qu'on aura c'est 13h, enfin 15h la remise des certificats. Je suis trop triste. Le cours était vachement bien, je vous ai pas montré juste avant, mais il y a eu une petite séance d'adieu où en fait la prof m'a foutu au milieu d'un cercle avec tous les étudiants autour. Ça fait 2 semaines que je suis avec la même classe comme je vous l'expliquais. Et ils m'ont tous en fait, comme elle a demandé à ce qu'on me fasse des gifts, on me fasse des cadeaux. Et donc chacun m'a souhaité quelque chose en fait, chacun m'a donné quelque chose. C'était trop sympa, trop emotional. Du coup même moi je leur ai dit les gars vous êtes trop bien, vous êtes trop géniaux, mon cœur je ressors avec un cœur tout gros. J'avais les larmes aux yeux et tout, j'ai eu la voix qui s'est barrée machin, c'était ridicule mais bon. C'est real emotions. J'ai eu énormément de chance, je suis tombée sur une classe vraiment tombé sur des gens trop géniaux, des personnalités tellement différentes. Incroyable, c'était incroyable. Et tous ont apporté beaucoup de choses dans cette classe. C'est trop. En fait, je sais pas, mais tous on s'entendait super bien. Genre comme elle a dit la prof, you are very kind to each other. Genre on est vraiment, comment dire, chouettes les uns envers les autres, c'était trop bien. Non, ce que je dois faire, c'est qu'hier, on a fait quelques courses. J'ai acheté pour mon amoureux de haut. Et je sais pas pourquoi dans ma tête c'était S. Donc je vais devoir retourner à New York, c'est ridicule, ça veut, je vais mettre une heure aller, une heure retour pour changer de haut, mais ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Il n'y a pas écouté ma soeur qui m'a dit prends M. Parce que je sais que quoi? Que toute la peau de ton corps se régénère tous les 28 jours. Ah bon? Mmh. Depuis 2 jours, j'ai le droit au midi. Est-ce que tu savais que... Elle balance plein d'infos qu'elle regarde la veille sur internet. Est-ce que tu savais que... Dans la glace à la vanille, il y a une substance qui est produite du derrière des castors. Ça s'appelle castorine ou la castorine ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est un truc que lui, il produit pour marquer son territoire, mais ça sent la vanille. Et donc, il met ça dans la glace à la vanille, à la fraise et à la mûre. Est-ce que tu savais que sur les bonbons brillants, il rajoute de la laque? Mais c'est la même laque que, par exemple, tu vas trouver sur les rouges à lèvres et tout ça. Et cette laque, elle est produite par des insectes. Et ça, donc ça reste naturel. Est-ce que tu savais que sur les pommes, ils mettaient de la cire pour les faire brillants, pour les faire chaner. Donc, ils conseillent quand tu achètes une pomme au supermarché, tu rentres chez toi, tu la passes sous l'eau tiède ou l'eau chaude pour faire fondre la cire. C'est libre à la salle. Du coup j'essaye, enfin j'ai pas essayé, je l'ai fait. Je suis allée au sport genre 4 à 5 fois par semaine. En temps normal j'y vais l'après-midi après les cours, avant le dîner souvent vers 17h. Hier j'ai pas pu, du coup je vais quand même y aller ce matin. Mais je l'ai intégré dans la vidéo de la journée comme si c'était l'après-midi. C'est pour ça que je n'ai pas de maquillage et que je n'ai pas la même gueule. Yes. Ce qui est bien le matin, c'est que y a personne. Alors qu'en fin de journée, c'est là où il y a le plus de monde, vous imaginez bien. Surtout après le dîner. Parce qu'ici, le dîner assez tôt, c'est jusqu'à 19h30. Bon, c'est l'heure de la cantine. Je sais que ma journée, c'est ma journée quotidienne EF. Et ben en fait, lui, depuis 4 jours, depuis qu'il est arrivé d'Alger, vu qu'il me suit sur les réseaux, il fait partie de mon quotidien. Il vient me voir tous les jours. Tous les jours, il vient me voir. C'est moi qui le lance pas. C'est pas vrai, c'est elle qui vient me voir tous les jours. Alors, par contre, moi, j'ai envie de vous demander un truc. En commentaire, vous me dites ce que vous pensez de son manteau. Est-ce qu'il n'est pas absolument magnifique? Voilà.
j'ai dit, vous allez me dire ce que vous pensez de son manteau, est-ce qu'il n'est pas magnifique? Il est trop stylé, ce mec est trop stylé, il est merci, trop classe. Merci, je vous ai dit, c'est elle qui vient me voir, c'est moi. Parce qu'il est trop classe, alors je vais être près de lui pour qu'il me dégage des ondes de classe. Merci, merci. Alors demain, je suis trop triste. Et toi, est-ce que tu es triste que j'aime? Ah, si, si. Est-ce que je vais te mentir? Ouais, je suis fatiguée. On a trop perdu l'habitude de dormir tard en fait. Depuis qu'on est là, on dort à 10h à tout casser. On se réveille à 7h tous les matins. Donc c'est hyper compliqué de dépasser ces horaires-là. Ce qu'on fait pour éviter de... Je sais même pas de quoi en fait. C'est toi qui m'as donné l'idée. Je sais pas quoi tu vois. Bah de ça, de se brosser les dents dans la chambre. Pourquoi? Bah tu commences toujours ici. Oui. Pourquoi? T'en pas rien de là-bas. Ouais. Oui. Passe ici. Je crois que c'est aussi la qualité de l'eau. Regardez, mes mains, en fait, je me suis juste lavé les dents et lavé le visage et mes mains, elles ont déjà le truc là, quand vous restez trop longtemps dans l'eau, l'espèce d'effet, je sais pas comment on appelle ça, c'est absolument immonde. Alors là, quand je prends ma douche, c'est comme si j'étais restée 5 heures dans un bain, c'est horrible. Et c'est une sensation que je supporte pas, surtout au contact d'une serviette. Ah, je trouve ça absolument abject. Vraiment comme dans les pubs. Regardez. L'état des lieux. Oh, je me rince le visage, malheureusement. I cannot do anything about it. Voilà, et on retourne à la chambre. Je suis absolument épuisée. Ben, je pense que c'est vraiment à cause du froid qui nous fatigue de 1 et de 2. Je suis sûre que c'est un rapport avec les cours. Le fait d'avoir des cours, de devoir se concentrer, de travailler, alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas autant travaillé nos ménages, écouter une langue qui n'est pas notre langue maternelle, je pense que c'est ça qui nous épuise tous les jours parce que c'est pas normal. La seule bonne raison, c'est me réveiller à 6h30 du matin. On se réveille pas à 6h30, on se réveille à 7h. On s'est réveillé pendant une semaine ou plus à 6h30, après on a commencé à se réveiller à 7h. Reste que on se réveille à 7h. T'as l'habitude de te réveiller à 7h? Oui, non, 8h. Moi jamais. Moi c'est 8h. Moi jamais. C'est inconcevable pour moi. Et voilà. Voilà ma petite vidéo de ma journée type pendant les deux semaines que j'ai eu la chance de pouvoir passer ici à EF. On s'habitue très vite, mine de rien. On sent un chez-soi très vite. Le vrai chez-soi nous manque, mais on sent extrêmement bien en fait. Ici, on s'attache beaucoup aux gens et tout. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Moi, je vous dis au revoir.